Salut les potes, c'est Marco, bienvenue sur Marco Gaming, j'espère que vous allez bien. Ben ça y est, aujourd'hui on se retrouve sur PlayStation 5. Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais ouais, ça y est, hein, on peut dire, ouais. Ça fait bizarre, on est sur PlayStation 5 et on se retrouve pour un des jeux du mois, pour ceux qui ont le PlayStation Plus. A Plague Tale, Innocence, un très bon jeu, un jeu fait par un studio français, Cocorico. Asobo, que vous connaissez déjà pour Flight Simulator. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu, version PC, parce qu'il est disponible sur le Game Pass. Donc si vous aimez ce que vous voyez là, le gameplay que vous allez voir, si vous aimez ça, ben allez-y, il est encore sur le Game Pass. Et la vidéo que j'avais faite est assez saccadée, parce que j'avais un peu trop poussé la machine, et même si le jeu était fluide quand je jouais, La vidéo est saccadée par contre, la capture est vraiment saccadée. Là, ça ne risque pas d'arriver, puisque je stream de la console, donc c'est la console qui fait tourner le jeu, le PC ne s'occupe que de l'enregistrement. Donc vous allez vraiment avoir du gameplay aux petits oignons, mais vraiment bien comme il faut. A savoir que là, c'est la version PlayStation 5, c'est pas la version PS4 rétro-compatible, c'est vraiment une version dédiée à la console PS5. Donc avec une amélioration du framerate à 60 images secondes, la possibilité de jouer en 4K, la manette, je crois que la manette est mise à contribution hein, avec retour haptique, etc. Mais je vais vous confirmer tout ça. Donc là, vous voyez, on est sur l'interface et je voulais vous parler aussi de The Crew 2, The Crew 2 en bon anglais, qui est disponible du 7 au 12 juillet gratuitement. Vous pouvez y jouer pendant ce laps de temps. Donc, si le jeu vous plaît, vous avez vraiment accès à tout, à l'online, etc. Vous découvrez le jeu. Et si le jeu vous plaît, vous avez une réduction jusqu'à 80% sur le jeu. Là, si je le prends, par exemple, il me coûtera 10 euros. Et 10 euros, c'est vraiment pas cher, c'est un très bon jeu. Vous pilotez des voitures, mais pas seulement. C'est de l'arcade. Hein. Moto, je crois que dans la vidéo de présentation, j'ai vu des avions. Enfin bon, j'ai vu que des images de vidéos, donc j'y ai jamais joué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, bon, on fera ça. Et puis, sinon, ce sera peut-être notre prochain jeu, hein, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, on est là pour A Plague Tale Innocence. On va vraiment aller dans les options, voir ce qu'on peut mettre, 60 images, etc. Ça vous donnera aussi un aperçu, si vous n'avez pas la console, de ce que vous avez comme option. Quand un jeu a été refait pour la PlayStation 5, optimisé pour la PlayStation 5. On va tout de suite se retrouver, mais juste après ça. C'est parti. Bon ben on se retrouve, on va lancer le jeu, elle est fraîchement installée, je ne l'ai jamais lancé. J'espère que ça va bien se passer. Déjà là, la manette a vibré, je sais absolument pourquoi. Quelque chose que j'ai oublié de faire, on est sur l'écran d'accueil là, quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de retourner sur l'accueil, comme ça. Je crois que c'est comme ça. Là, c'est les mises à niveau, etc. Je sais qu'il y a un endroit où on peut vérifier la version du jeu, parce que ce jeu, mine de rien, existe en version PlayStation 4 et PlayStation 5. Là, on peut tout simplement pas vérifier la version du jeu, mais normalement, je pense que c'est ça. Surtout si on a toutes les... Ah oui, de toute façon, c'est la version PS5 qui est disponible sur pour les possesseurs de PlayStation Plus. Donc ça peut pas être la version PlayStation 4. Si vous avez une PlayStation 4, par contre, vous pourrez pas l'avoir. C'est vraiment la version PlayStation 5 pour les joueurs PS5. Le jour de la sortie du jeu de la version PS5, ils nous le donnent hein, carrément. Sur PS Plus, donc c'est vraiment une bonne chose. On va pouvoir retourner dans le jeu, du coup. Ouais, je maîtrise pas encore les le truc, hein. Les menus de la PS5, ça a vraiment changé. Ça fait plaisir, parce que c'est vraiment... On sent qu'on est dans la next-gen, ils ont vraiment tout changé. L'interface, la manette, je vous en parle même pas. On m'aurait dit prendre la console uniquement pour la manette, honnêtement j'aurais souri, mais vraiment la manette à elle seule justifie presque l'achat de la console, donc honnêtement, voilà.
Voilà quoi. Bon, ben avant de commencer, ben je vous invite à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos comme celle-ci sont à venir. Hein. The Crew Tour, on va faire la prochaine vidéo dessus. Activez la petite cloche pour être averti hein, de la sortie des vidéos. Donc, normalement, c'est 3 vidéos par semaine. J'essaye de m'y tenir. Parfois, c'est compliqué, mais j'essaie de faire ça. Et puis, le petit pouce bleu, les gars, si vous appréciez les vidéos, si vous appréciez le travail fourni. Et puis, ça aide la chaîne hein, pour le référencement. Je vous en remercie. Hein. Allez, c'est parti. On va dire que c'est réglé, tout ça. On a un emplacement vide. Moi, j'ai hâte d'aller dans les options et voir où est-ce qu'on peut choisir. Normalement, si c'est bien fait, c'est dans les graphismes. Alors, il y a luminosité et aberration chromatique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, je suis bien avancé. Je croyais qu'il y aurait peut-être quelque chose dans les graphismes. Apparemment, non. Ça m'étonne un peu. Les contrôles, je connais déjà. Bon. Je trouve ça bizarre. Ouais, la luminosité, on y a touché déjà. Réglage du HDR, j'ai pas activé le HDR parce que sur l'écran, le moniteur du PC, c'est pas top le HDR. Le jeu, il est dans la visibilisation. Pour les glaces du HUD, c'est pas ça. Parce que le HUD, c'est ce qu'on voit sur bouillance, etc. Bon, voilà, compagnie en danger. J'essaye vraiment de voir parce que je me suis rendu compte des fois, je passais au-dessus de certaines choses, des options. Extra, du coup, non, c'est pas ça, c'est les crédits. Eh bien, on va lancer comme ça, hein. On va bien voir. Alors, mode d'écoute, barre de son, haut-parleur. Nous, on est au casque. Hein. Donc, voilà. Et on confirme. Ah oui, là. Ah, ben, je vous confirme, hein. De toute façon, version PS5. Quand, généralement, la manette, elle est activée pour beaucoup de jeux PlayStation 5. Les jeux PS4, des fois, non. Mais alors, pas du tout, aucune vibration. Tandis que si vous mettez une manette PS4, vous avez les vibrations. Ah ouais. Ah là, ça risque pas de ramer. Hein. Traîne, Amicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Mon fauve pense avec son estomac, ah, ça comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'ai faite sur PC. Vous allez voir, c'est horrible. Ça saccade de ouf. Je l'ai quand même laissé. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez. Je vous mettrai un petit lien juste là. Dès la dernière vidéo. Là, ça fait mal. Je vais quand même la laisser. C'est juste que j'en ai demandé un petit peu trop au PC hein, qui fait la capture et qui faisait tous les jours. Le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille. Hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Et je pense qu'il faut que peut-être que la console soit branchée sur la télé en 4K. Je dois pour avoir toutes ces options, peut-être. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute. C'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé hey. Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. C'est vraiment... Si, c'est quand même... Allez. Ah, est-ce que tu peux courir? Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve?
Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un animal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Dès que j'ai commencé, il va... Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez ma fille, 6, 7, 8, et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9 et 10, et voilà. Bien, je suis impressionné, mais j'avais pas réussi la première fois. De tous les diables, c'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû frayer un lapin. Il est pas mal, hein. Venez. Mais j'avoue, sur PC, j'avais plus de détails. J'avais tout mis à fond. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Alors, un deux pour sprinter, ok. Si je m'enlève, comment je fais pour m'enlever comme ça? Lion! Oh là là, c'est bizarre. On voit le, on sent les pas, de course, les petites vibrations très subtiles. Hein. Un chien de chasse. C'est pas quelque chose de bourrin pour vous dire tiens, il y a des vibrations. Non, c'est très subtil. Pareil pour la fronde. On sent la corde de la fronde qui vibre à chaque fois que ça, c'est bizarre. Oh, tu es là. Je comprends maintenant ce que disaient les gens, il faut l'essayer, etc. Qu'est-ce que tu as senti? Il faut vraiment, c'est un truc à essayer. Oh là là, un sanglier! Bravo mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose? Chut! Venez voir, un sanglier! C'est un sacré gibier. Ben, si tu es capable de faire Flight Simulator et des jeux aussi comme ça, c'est... marcher. Mais c'est impressionnant. Tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. Là, le but, c'est de se faire le sanglier. Ah, des pierres, il y en a où dans les parages aussi? Oula, la caméra. Ah, c'est excellent, on sent qu'on passe. On se faufile comme ça dans les hautes herbes, on sent que. Ah, c'est vraiment subtil. C'est ça, j'aime bien comment ils ont fait. Mais par contre, moi, j'aimerais bien trouver des pierres. Où est-ce qu'il y en a? Il doit bien y avoir des pierres, mais je sais pas où. Comment je peux savoir? C'est pas un truc qu'on met en surbrillance ou je sais pas. Si je me pointe comme ça, il va s'enfuir. Bon, vous êtes déjà avec la caméra, hein. Vous allez avoir la nausée sinon. C'est extrêmement fluide. Ah, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Mais est-ce que j'ai des pierres? J'ai pas de pierres aussi. Bon, attends. Je vais retourner vers lui, peut-être qu'il y avait des... Là, il y a des pierres juste là, en fait. Parfait. J'ai fait mon polio. On n'en a que 3. Hein. On n'aura droit qu'à 3 essais. Sauf si on trouve... Ah, il y a des pierres encore. Il est où? Ah, il doit être droit devant. C'est bon, on a notre quota de 6 pierres annoncées. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Oh, mais je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé.
Il est là. Bon, je dois viser sa tête. Là, je vois, hein, je vois son derrière. C'est pas trop top. Donc, on va tirer ici. Oh, on va vraiment se mettre face à lui. Pas de bon. Ah, il va me voir. Oh là là, que c'est chiant. Je sais pas si c'est fait exprès qu'il doit se retrouver exactement ici. Ah, ah, cette caméra. Ça y est, on le voit là. On a sa tête, on a sa tête. Sa tête. Allez, tiens. Voilà, Est-ce juste que la avant qu'il se fin te bat. rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas Oh dit son non! dernier mot. J'avoue que les détails sont pas mal. L'arrière de la PS5 est juste à côté et je vous avoue qu'il y a une chaleur qui sort. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion! J'arrive, Lion! J'ai Retiens-le réglé et tu auras un la moment sans console rien pour toi! en 4K, mais mon moniteur n'est que 1080p, non, 1440p. Du coup, je sais pas du Oh, tout comment ça se je vais passe. m'enfoncer là-dedans! Courir. Ça, c'est pour la fin. Si, quand même. Je trouve que c'est quand même assez détaillé. Alors, je vais Il voir les n'aboie plus. options auxquelles j'aurai droit Il a sur la dû le télé. trouver. Honnêtement, hein, faites un petit tour sur le petit lien là de ce que j'avais fait sur PC. Vous verrez, bon, graphiquement, comment c'est. Par contre, au niveau des saccades de la vidéo, je vous promets que bon, c'est pas la faute du PC, Oh, c'est moi qui ai des déconné choses toutes neuves. en étant trop gourmand. Il faut Ferme ton partager les bail. ressources hein, quand on fait des captures sur la même machine. Là, c'est la PS5 qui fait tout hein, au niveau du fonctionnement du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et le Lion! PC ne fait que capturer. Reviens! Si, quand même. C'est le Oh là là. sanglier. Pourquoi il est... Comme un Mais on sursaut, n'a pas comme pu un faire ça. battement de cœur, et ça dans la manette. Lion! Mais une vibration, mais Viens, mon bien chien! foutue, hein. Rien à voir avec Lion! la DualShock. DualShock 4. Non, elle est pas bien. Vous verrez exactement les mêmes scènes. Ce qui m'avait impressionné, voilà, c'était les détails au niveau du vêtement, tout ça. Moi, je regardais les couleurs et tout. Je trouve que c'est pas mal fait. Ah, si, quand même. Qui a fait ça? Diablerie. Quelle est cette diablerie? On rentre. Ouais, je spoil, désolé, mais j'ai adoré le faire déjà sur PC. Ah là, le redécouvrir. Voilà, c'était le prologue. Très bon jeu, mais vraiment excellent jeu. Vous avez la PS5, cadeau. Ouais, beau cadeau, mais vraiment. Ben, si vous êtes PS Plus, surtout. Malheureusement, j'en ai parlé à un pote, croyant que ça allait être disponible aussi sur PlayStation 4, mais c'est uniquement Je la vais version organiser une PlayStation battue. 5. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois Excellent lui cadeau. parler immédiatement. Elle doit être en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Il y a son frère qui est malade, qui a Amicia. une étrange maladie, on ne sait pas. C'était un bon chien. Regardez les détails. Comment YouTube va me compresser ça? Honnêtement, je trouve ça très très beau. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? Alors, c'est pendant la période de l'Inquisition. Donc avec Anglaise l'Église catholique qui Bah. chasse les hérétiques, hein, les gens qui ont des croyances qui sont contraires à celles de l'Église, pour la petite version histoire. Et Tu dois patienter l'Inquisition pour les nouveaux pourchasse cadets. son petit Bonjour, frère, qui mademoiselle est malade. Amicia. On ne Des sait pas nouvelles du pourquoi. bourg?
Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Mais pourquoi les Anglais, ils mordraient des gens? Bah, je sais pas, moi, pour nous saper le moral. Ouais, il y a des dialogues comme ça, c'est... Oh, mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez, c'est très pressé. D'accord. Au fait, j'ai installé les cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh, bien, merci. Peut-être un petit... Les peaux dont Théo m'a parlé. J'ai encore un petit trophée à débloquer. Ah, c'est là les cibles. Je vais prendre des... Ouais, on va faire un petit entraînement. Faut pas hésiter, hein, quand on vous propose un entraînement, un truc, allez-y, quoi. Bonne distance. Boum. Elle va nous servir, cette fronde, hein. On pourra l'améliorer par la suite, etc. Ah, les sensations. Je me tiens la gâchette hein, pour ressentir le... C'est vraiment bien fait. Vraiment, quand... Au moment où la fronde se lance... Oh ben là, je sais pas pourquoi j'ai lâché la gâchette. Ah ben voilà. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait un trophée. J'ai pas fait la dernière fois, j'ai pas fait ça. J'aurais tué celui qui t'a fait ça. On a atterri par là. Sorte, je sais pas, parce que j'ai l'impression que je tourne en rond, mais c'est moi qui trouve pas où c'est ou quoi. Allez, les cocottes. Ah, je visite aussi en même temps. Allez, à la porcherie. Comment c'est bien foutu. Oh, mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Ok. Alia Horatio Sancti Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Donc une époque où vraiment les croyances, fallait pas rigoler avec les religions. Prenez soin de lui, je vous en prie. Il mérite les, sa place côté. L'église pourchasse tous ceux qui sont coupables de blasphème, etc. Donc, ça rigolait pas. C'était. Adieu, mon chien. Ah bah, elle vient de perdre son chien. J'espère que mère n'est pas trop occupée. J'espère aussi, mais j'essaye de trouver l'entrée de la baraque, peut-être. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Ça se trouve, c'est juste là, mais. Voilà. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? T'as bien raison. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a pas. Ah, ben c'est là. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Ils ont encore fait des crises. On va voir un peu ce qui se passe hein, quand le frère il est malade, quand il fait une crise, etc. J'ai une bonne idée de l'endroit où je vais arrêter le gameplay, mais ça vous donne déjà une idée du jeu, quoi. J'ai vu tu as à quel entendu point ce qui s'est passé au village? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. Oh, et le jeu se passe en France, bien sûr. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est pas mal les couleurs, tout ça. Je. Peut-être un peu plus vive sur PC. Il faut dire aussi que j'ai mis tout à fond sur PC, je crois.
avait vraiment abusé. L'ordi n'a pas aimé. Trop de choses à gérer, hein, la capture de sa vidéo. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. Je savais qu'il y avait ça là. La gestion de la caméra un peu bizarre, je sais pas si c'est le stick ou quoi, mais Louise, tu viens de voir ma mère tout juste. Vous voulez la voir? C'est important, c'est un ordre de père. Oh, dans ce cas je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit, venez voir si vous voulez. Ah, merci. Tout est fait pour nous retarder de voir la maman. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Plus d'informations, ok. Alors, on a des objets comme ça, ok. Oh, Léon, qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Ah, c'est là où le chien se posait. La chambre était par là. Mère, tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Oh là là, le galop des chevaux au loin. Mais c'est vrai, Lyon était là. Vous avez l'occasion d'y jouer, l'essayer chez un pote, je sais pas, mais la manette, c'est un truc de fou. Quoi que ce soit, ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les. Mais, Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Et la suite de ce jeu a été annoncée il y a très peu de temps, donc pour 2022. La suite que je ferai, c'est sûr, parce que... Il est vraiment pas mal. C'est quoi l'histoire là? Maman? Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Je vais apprendre là, non? Ah! Ouais, la maniabilité un peu chelou. Je sais pas si c'est... Parce que je passe par l'acquisition, tout ça, là. Il n'est pas sur sa voie de décalage. Hugo? Oh, s'il fait une petite tente, c'est mignon. C'est moi, ta sœur, Amicia. Si, quand même, c'est propre. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. C'est extraordinaire, mais c'est assez honnête. Maman quoi. Va bientôt revenir. Allez, avance!
Et dans les vidéos de preview de la suite, on voit le petit, là, il a grandi. Il a bien grandi. Il a parlé. Toujours avec sa sœur. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Donc ça va mal se passer pour le daron. Pour la dernière fois. Ah oui, oui, oui. Où est votre fils ? En de bonnes mains. Ah ouais. Toi, t'assistes à ça. Tu passes une bonne journée. Hein. Oh la vache. C'est maman ? Ah ouais, mais c'est stressos, les battements là dans la manette. Ah, en plus, oh là là là. Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut. Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'il est ? Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Tais-toi ! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein ? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à la vie. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'est un enfant. Vous avez perdu la... Oh non, Léa. De grâce, je ne sais pas. Là, on avait vu que c'est fermé, tu vois. Putain. Je vous en supplie. Je me rappelle plus comment on avait fait. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune ? Amicia, qu'est-ce qui se passe ? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Mais s'il y est passé comme papa, ça va être chaud, hein ? On sait pas. Oh mon Dieu, Louise ! Et hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein ? Vous ! Oh ! Oh là là ! Pitié ! Oh ! Oh. Ça sert à rien de supplier. On doit avancer. Ne regarde pas. Ven, nous servons à plus haut dessein. Allez, fais voir un peu si tu caches pas des choses. Forcément ces travaux ici. Oh là là. Non. Je veux pas. Mais c'était violent comme ça, les gens, hein. Parle. M'oblige pas à te faire encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. M'occupe juste du linge. Je sais pas si ça marchera comme excuse. Même si je le savais, je dirais rien. Ah non, ça si tu dis ça. Il reste encore des pièces à fouiller. Tu fais moi ça. Bien ça. Pour l'instant, on s'en sort bien. Généralement, quand je sors cette phrase-là, on est chocolat juste après. Vous allez comme ça. Oh, bah oui, voilà, tiens. Mes enfants. Je vais taper des petites faces comme ça, vous devez. Mais pas beaucoup non plus. Mais c'est assez bien fait. C'est vraiment pas mal comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Alors, si vous avez le PS Plus, il y a quelque chose à savoir. Si vous avez le PS Plus et que vous avez la PlayStation 4, mais pas encore votre PlayStation 5, vous comptez l'acheter, vous pouvez quand même prendre le jeu. Je vais passer devant. Vous pouvez le prendre en passant par l'application PlayStation. Voilà, vous allez dans les jeux du mois et vous mettez le jeu dans votre bibliothèque. Quand vous aurez votre PlayStation 5, le jeu sera dans votre bibliothèque. C'est à savoir si... Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Donc, comme je vous ai dit, hein, dans l'application, vous allez dans les jeux du mois et vous l'aurez dans votre bibliothèque si vous n'avez pas encore la console que vous comptez la prendre plus tard. C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je redécouvre le jeu, mine de rien, parce que là, j'ai des sensations quand je passe comme ça dans les herbes hautes que j'avais pas quand je jouais à la version PC. On
a réussi. Comme quoi la manette a un apport quand même non négligeable. Ouais. Après toi. Après toi. Je te laisse réfléchir. Je reviens. Toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes des lâches. Des pourritures. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Si ton je vais te porter. D'accord, d'accord. Voilà. Hein? Attention, redescendant. D'accord. Attention, redescendant. Oui. Alors que notre but est noble. C'est juste allez, un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. C'est bon. À la main, on peut lancer un petit caillou. Mais sauf que j'en ai pas des pierres. Ah, il y en a juste à côté. Oh, que c'est... les choses sont bien faites. On est encore un peu dans le didacticiel, les gars. C'est... voilà, hop. C'était quoi ce bruit? Viens, on y va. Même le petit lancer nous a fait vibrer la manette. Ah, ma tête. Respire, ah, Hugo. Comment comme ça je t'ai montré. Prise, le petit. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon, il se calme. Mais le seigneur Nicolas se sent occupé. On sait quoi faire, hein. Pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins... toujours rien. J'ai entendu un truc. Je reviens. Reste prudent. On ne sait jamais. La mère rigole pas. Elle a déjà avancé, quoi. On peut pas y aller, mère. Vous croyez ? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos, d'accord ? Ouais, c'est quoi ? C'est pas le pot que j'ai lancé ? Maintenez R1. D'accord. Pour sélectionner le pot, ok. D'accord. Okay. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Effectivement, le pot fait un peu plus de bruit quand même. Et en plus, la puce en mêle. Non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Vas-y, tu es un garçon très courageux. Rends-toi utile un peu. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord ? D'accord. Donc, hop. Allez, mon grand. Et ça va être ça comme ça, là, la coopération entre les deux. Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Ah, ils sont en train de massacrer tout le monde, quoi. Et demandez grâce, ne fais pas courir plus vite, mon ami. Allez, venez. Suivez-moi. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... ma tête... Maman. Qu'est-ce qui lui arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment... Ah, c'est mystérieux, on sait pas ce qu'il a. Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Alors, on essaye de... on finit par s'échapper. Tu peux venir. J'arrive.
tenir la main. Par contre, elle est passée où ma main là? Elle est là. Baisse. Oh, voilà. Merci. Joli ce petit, c'est bien. Il est où? C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Non, d'accord. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. Bon, tac, on est déjà sur le pot. On va faire en sorte que... Alors, j'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo doivent avoir le temps de passer. Oh, t'as pas entendu? T'es sérieux là? J'ai plus de pot en plus. Oh là 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 là, attends, il y en a là. Les prendre que un par un, quoi. C'était quoi? Je dois les prévenir maintenant. Psst, venez, on arrive. Dépêchez-vous. Allez, là. Allez, vite. Bon, c'était rien. Bravo. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Okay. Je m'en occupe. C'est pas con ça. Hop. C'était quoi ce bordel? Ah, ce bordel. Va-t'en, allez. Et barre-toi, mec. Maintenant. Allez. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici, suivez-moi. Parce qu'on peut faire confiance, lui. Elle est un peu bizarre. Non, là, il est pas un peu chelou, le gars? Mon chéri, va vite te cacher. Madame, il arrive. Alicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui, il m'a aidé. Oh là là, les galops, comment c'est bien fait. Mais... Ça renforce, ben, c'est des petits détails comme ça, hein. Ça renforce l'immersion, quoi. J'ai besoin de vous. Pour l'instant, ça reste des vibrations, mais je trouve qu'elles sont mieux faites. Hein. C'est pas juste la mallette qui tremble. Dépêche-toi, suis la rivière, elle te conduira à Laurentius. Merde, non! Oh là là. Eh ben, dis donc. Sacrée journée. Hugo, suis-moi. Vite! Ah là là, comment j'ai pu me louper là, ici? Où est maman? Oula. Elle va nous rattraper. Cours. Elle va nous rattraper, c'est pas bien de mentir. Faites attention, mon dieu! Il bouge! Le sol bouge, Amicia! Ne t'arrête pas! Ils sont juste derrière nous! Vas-y, tout droit!
va tout droit. Mais où on va? Maman va jamais nous retrouver. Cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner chercher maman. Pas question. Il doit pas nous. Et je vous promets qu'il va pas lâcher l'affaire avec maman. Ah, je t'ai déjà fait choper ici la dernière fois. La première fois que j'avais joué. Premier coup, et petit trophée. Bon, forcément, les trophées, je les avais pas sur PC. Je pense que ça suffira. Hein. On va pas faire une vidéo beaucoup plus longue. Honnêtement, très bon jeu. Très, très beau cadeau hein, de Sony. Parce qu'il sort. Il sort aujourd'hui le jeu. Et moi je pensais que c'était demain qu'il sortait. Donc l'exclusivité PlayStation 5, la version PlayStation 5. Hugo, d'ailleurs, je sais pas s'il est pas sur. Non, non, c'est pas une exclu, puisqu'il est aussi sur PC. Mais la version, là, c'est une version vraiment PlayStation 5. C'est vraiment pas mal. Maman va me je peux que vous le conseiller. Hein. Très bon jeu. Donc quand vous verrez la version de la vidéo faite sur PC, bon ben ça fait mal hein, si on vous allez voir ça. Quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Donc foncez, le beau cadeau. Si vous êtes PS Plus, donc je fais pause. Parce que ça me déconcentre d'entendre la musique en même temps. Si vous êtes PS Plus, que vous avez la PlayStation 5, ben, honnêtement, allez-y, foncez. Si vous êtes PS Plus et que vous avez une PS4, vous comptez prendre la PS5, vous pouvez quand même le prendre le jeu, vous le mettez dans votre bibliothèque, en passant par l'application PlayStation. Donc vous allez dans les jeux, etc. Vous allez voir un jeu du mois, et vous allez sur PS5, et vous verrez la liste des jeux, en l'occurrence là, il n'y a que celui-là. Et remarquez, mettez dans votre bibliothèque, et là, le jeu sera stocké, comme quoi vous l'avez pris, il sera dans votre bibliothèque. C'est comme ça que je me suis fait une petite ludothèque déjà de départ. Sans avoir la console, j'avais pris le jeu de course, là, le jeu en ligne Destruction All-Star. Bah, c'est quand même un jeu offert, donc il est dans ma bibliothèque, tandis que j'avais pas encore la console. Donc c'est faisable. Donc ça m'a plu, hein, je pense que ça s'est vu, ça m'a plu de refaire ce petit gameplay là. C'est un très bon jeu, donc foncez. Et on se donne rendez-vous, du coup, on est mercredi, vendredi, on va faire, j'avais dit quel jeu, The Crew, voilà, The Crew 2, qui est offert, donc offert, non, vous pouvez y jouer du 7 au 12 juillet, du 7 au 12 juillet, vous essayez le jeu, les différents modes de jeu, vous pouvez y jouer avec des potes, etc., voilà, vous faites plaisir. Vous voulez le prendre, vous le prenez. Voilà, si vous voulez pas le prendre, vous le prenez pas. Vous êtes libre de le prendre, en fait. Et à savoir que si vous le prenez, vous avez jusqu'à 80% de réduction sur le jeu. Donc moi, j'ai regardé, là, ça me coûtera 10€ si je le prends. Je compte le prendre. Je sais que c'est un très bon jeu de course, très fun, avec plusieurs véhicules, monde ouvert, etc. Vraiment pas mal. Donc je me ferai plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous savez déjà ce que ce sera, je crois tout. Donc, à la prochaine les potos. Allez, ciao.